Yes, les gars! Donc, salut tout le monde! Salut, Brick! Juste dire, là, on a changé de micro, on a acheté un meilleur, fait qu'on veut savoir si, peu importe, dites-nous si ça griche, ça va bien, ça va pas bien. Yes. Bon, ben, il avait pas enlevé le son de son cellulaire. Donc, aujourd'hui, gros Brick, le plus gros qu'on a fait jusqu'à présent, le plus dispendieux. Donc, on y va avec deux boîtes de Heist, 2018-2019. Deux boîtes de trilogie 2019-2020 et une Ungrain 2018-2019. Donc, le son est fort. Le son est fort, on va le baisser un peu. Donc, on va baisser le son un petit peu. On a baissé le son, vous nous direz si c'est arrangé, Hugo va baisser le son. Sinon, ce qu'on va faire là, c'est tout de suite en partant, on va aller faire le random. On va aller randomiser ça, savoir qui a qui et qui a quoi. Et puis. D'abord, on va remercier tous ceux qui participent, donc merci à Pierre Cadieux, Dominique Caron, José Quentin, Daniel Cadieux, Gino Lévesque, yes, sir. Maxime Marleau, Steve Terrien, l'habitué, Nicolas Bédard qui s'est pris 3 spots, Sébastien Vachon, Jean-Michel Frigeau, Yann Caron toujours au poste, Nicolas Bédard qui a un autre spot, Maxime Marleau, Sébastien Vachon encore. Francis Devetun commence à être invité aussi. Maxime Marleau aussi. Max Jonf qui a pris les deux derniers spots. Fait qu'on est sold out. Closer. Il y a trop de quelque chose, le son. Ok. Attends, on va le baisser ici. Non, c'est, ça, c'est, ça, tu peux pas le baisser là. Ça, c'est les, mes écouteurs à moi dedans. Ah, ok. Ensuite, on va avoir Damien Maltais et Joey. Simon Leduc et Joey Frangelini. Yes, sir. J'espère que j'ai bien dit son nom. Donc, continuez pour nous dire pour le son, là, s'il est correct, vous nous dites qu'il est correct. On va continuer. Donc, on va faire le nombre de dés. On ne veut pas que c'est au-dessus de 3. Ça va décider qui. Ça va être quoi l'ordre. Donc, numéro 10. Donc, on y va pour recommencer. Donc, vous voyez, on a mis les noms en ordre des spots que vous avez choisis pour les plus superstitieux. Donc, on commence le giveaway tout de suite. On va continuer. Parce qu'on a 10 rounds à faire. Salut Nicolas. What's up Joey? Et final round. En haut, Sébastien Vachon. On va copier coller. Et le dernier spot, Pierre Cadieux. On va aller voir que ça donne ça ici. Ça, c'était pour nommer tous vos noms. Parce qu'on était bien ce matin, on voulait vous nous voir comme faux. On va copier ça ici. On va l'agrandir. On va le mettre en real black, comme les autres. Donc, Anaheim, Sébastien Vachon, Arizona, Gino Lévesque, Boston, Jean-Michel, Buffalo, Nicolas Bédard, Calgary, Jean-Michel, Caroline, Sébastien Vachon, Chicago, Joey Frangelini, Colorado, Max Jonf, Columbus, Chris Rochon, Hiking. Dallas, Nicolas Bédard, Détroit, Francis Davidson, Edmonton, Maxime Marleau, gros pic, Floride, Maxime Marleau, Los Angeles, Maxime Marleau, on dirait quasiment que c'était 3 de suite, c'est rare, hein? Minnesota, Max Jonf, Montréal, Simon Leduc, ensuite, Nashville, Yann Caron, New Jersey, Chris Rochon, New York Islanders, Frangelini, Rangers, Damien Maltais, Ottawa, José Quentin, Philadelphie, Dominique Caron, les Pingouins, Nicolas Bédard, le gros Steve Terrien, San Jose. Marleau se retrouve avec Saint-Louis, Yann Caron Tampa Bay, Daniel Cadieux Toronto. Il y a de la distorsion dans le son. Ok, donc on va faire ça avec ça aujourd'hui, puis on va retourner avec l'ancien micro qu'on avait de bord. Bon, on va le baisser encore, on va encore baisser le son. Parce qu'on veut pas qu'il y ait de distorsion. J'ai baissé le son un peu. Donc on va continuer. Toronto, Daniel Cadieux, Vancouver, Nicolas Bédard, Vegas, Pierre Cadieux, Washington, Steve Terrien, Winnipeg, Steve Terrien. Donc, je pense qu'on est prêt à commencer ça avec tout le monde. On copie-colle, on s'en va, on change de place. On s'en va dans le live scene. Vous allez voir ma grosse face. Fred, toujours présent. On va marquer ici. On va faire le défilement pour que vous puissiez voir votre nom si vous l'avez oublié. Donc... de mon clavier, malheureusement.
Donc, ça devrait marcher là. Donc, vous devrez avoir vos noms avec votre équipe. Donc, si vous avez manqué quelques équipes et vous n'êtes pas sûr, le défilement est là pour ça. Donc, le son est bien correct que j'écoute. Là, ok, le son est bien correct. C'est revenu bien correct. Parfait. Bonne chance à tous, tout le monde. J'espère. Je pense qu'on va être des gros bricks. Je pense qu'on va avoir des gros hits à soir. Je suis pas mal sûr de ça. Celle-là, on va la garder de côté. On va la mettre ici. On va la laisser là. Puis on va commencer avec. Je pense qu'on va commencer avec la ice ici. On va commencer avec la ice ici. Puis après ça, on verra lesquelles on va prendre. La green là-dessus. Et on y va, c'est parti, mesdames, messieurs. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine, dimanche soir. Je pense qu'il y a en plus Occupation Double qui est commencé. Merci de nous écouter. Les femmes sont là. Petite serviette pour s'essuyer les mains. Petite serviette pour s'essuyer les mains parce que j'avais besoin de prendre une petite gorgée d'eau avant de commencer. Salut, Mathieu. Merci. Moi, j'aimerais ça dire merci à Joey Franchellini. Puis également à Joey, il collectionne. Il m'a texté tantôt. Il collectionne Darren Helms de Détroit. Donc si jamais vous avez des cartes de David Helms. Darren Helms? Aucune idée. On va juste à le contacter. Donc 6 paquets de cartes ici de Ice, on va les placer ici. C'est parti. Bonne chance à tous. Donc on ouvre le paquet. Oh, il s'ouvre facilement. Les Ice là, j'aime ça parce qu'il s'ouvre facilement. Là. Donc on va commencer ici. Oh, je ne voulais pas rien spoiler. Mais ça, ici, on va la mettre comme ça. J'aurais besoin du déco ici. Et c'est parti. Là, on arrête de niaiser. Là, c'est parti pour de vrai. Puis, on va y voir avec la première carte qui est une Jack Eichel. Jack Eichel de. Des Sabres. Puis, une Henrik Lundqvist. Puis j'allais passer cette carte-là. Une petite Sean Monahan Green. Désolé, j'avais pris deux cartes sans faire exprès. Une petite Green Calgary. Donc Calgary, Jean-Michel, première carte qui vaut la peine. Je te donne ça à toi. Bien sûr, je vais suivre ça, mon Sean. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce qu'on a. Oh, on a une première aussi. Petite première. Nice. Sheldon Rimple. Donc 798 sur 999 des Kings de Los Angeles. Les Kings de Los Angeles, c'est Maxime Marleau, félicitations. C'est Jonathan Huberdeau classique, régulière. Donc déjà fini pour le premier paquet. Comme on peut voir, là, ça va déjà pas mal plus vite que quand j'ai commencé lundi passé. Hein. Il me semble que j'ouvre les paquets de façon plus rapide, tout en faisant attention. Donc Philadelphie avec un F, j'adore ça. Donc on y va pour la première carte du paquet, une petite Austin Matthews. Ensuite une petite Green, Thomas Chabot. J'ai vu une belle petite carte en dessous là. Je pense que j'espère que. Ah ouais. Que, on peut voir du petit bleu ici en ce moment là. Hein? On peut voir du bleu. Thomas Chabot, sénateur. Green. Ottawa qui est à. Ottawa est à José Quentin. Félicitations. Ouais, je pense qu'on a une belle carte là. On a une belle carte ici là. Sub-Zero signé. Rookie Sub-Zero signature. Blue. Rookie Sub-Zero signé Jordan Kiro. Wow. Donc qui de Saint-Louis, c'est Maxime Marleau. Maxime Marleau, wow, premier hit. Parfait, ça je pense qu'on va mettre ça. Hey, puis regardez ce qu'on a aussi. Ce qu'on s'est procuré. Regardez bien ça. En 32 secondes. Regardez bien ça. Hey, je peux même la mettre ici si vous voulez en attendant. Là. Regardez ça. Là. Checkez ça. Hein? Comme si on n'était pas capable de faire comme les autres. Let's go. Ensuite. Petite Sub-Zero encore, rookie. Donc tabarouette, deux Sub-Zero rookie. Wow. Une régulière Jamie Benn, on va la passer. Donc Nashville, numéroté en plus. Rookie, Sub-Zero, Ellie Tolmanen. 0,81 sur 999. Yann Caron, Nashville. Yann Caron, Nashville. Good job. Bon, regardez, là, c'était juste pour vous trouver ça cute là, avec le petit. On va la mettre ici au pays en attendant. D'accord. Donc, on continue.
Sinon, vous avez des questions, là, il y a mon collègue Hugo à côté de moi qui peut tout lire le chat constamment. Peu importe, ça va lui faire plaisir parce que des fois, j'ai pas le temps de regarder. Parce que j'essaie de bien gérer les cartes. Il y a M. Ali qui vient de se joindre à nous. Salut, Ali. Moi, je salue tout le monde qui se connecte. Tarasenko à l'envers. On voit que... Le pack est à l'envers. On va le tourner. Hein. Pas même plus grave que ça. Donc, après à Tarasenko, on a une petite chaîne couturier régulière et une petite green du Wild du Minnesota. Eric Staal. Minnesota, c'est... Mac Jonf. Donc, bientôt, on va le voir avec l'uniforme de Buffalo, lui qui a été échangé. Il y a quelques semaines. Sub-Zero, Dylan Dubé. Donc, c'est la troisième Sub-Zero du... troisième Sub-Zero en plus du pack. Leandro Sidon, on va l'en passer. Jean-Michel Fréjot. Donc celle-là ici, numéroté 748-999, rookie. Hier, Maxime Jean, je ne me souviens plus qui l'avait eu, mais il y a eu une signature de lui en plus, Sub-Zero. Puis il y avait eu aussi la Sub-Zero, j'ai vu. Ouais. Non, mais c'est ça, c'était elle. Ouais, mais c'était pas elle, c'était signé pis tout, là. Donc c'est fou comment les paquets de Ice, là, ils s'ouvrent facilement. Comment comparer aux autres, là. C'est spécial. Ah, ok. Donc on y va pour la rang à carte. Dougie Hamilton. Anciennement de Boston. Petite green ici de Sébastien Aho. Un des meilleurs fabricants de jeux de la Ligue nationale, Caroline. Sébastien Vachon, Caroline. Félicitations. Oh! Rookie Relic Jumbo numéroté ici. Wow. De Jordan Kyrou. Donc Jordan Kyrou qui aujourd'hui est populaire. Hein? Donc on avait une Sub-Zero. Donc aujourd'hui, Saint-Louis qui est à Maxime Marleau. Il se retrouve avec deux belles cartes. Une Sub-Zero Rookie signée et une Rookie Relic Jumbo. Nice. Numéroté 149 sur 199. Super nice. Super nice. Super nice. Super ultra nice. Donc Brett Burns. Avec Kenny Malkin, mais ça, c'est des bases. Donc Hugo peut dire salut à la caméra, yes. Donc j'ai une belle casquette de l'Impact de Montréal, on espère qu'il s'améliore. Hein. Ça va pas bien pour eux autres. Ça a-tu l'allure ça de même? Tu peux le voir là. Ouais, ça a du sens, mais t'es tranquillement, t'es de même, ouais, de même, yes. Donc, on y va! On y va avec une petite Mikko Raitanen. Base. Seth Jones. Et une Oliver Ekman-Larsson. Green. On l'envoie à plein de place en ce moment. On tente de l'échanger, semble-t-il, en Arizona. Premier, Eric Robinson, Blue Jackets, Columbus. Donc, première carte de Columbus, Chris Rochon. Donc, première carte pour Monsieur Hiking. Donc, 562 sur 1299. Première. Et une de Brinka. Deux personnes qui viennent se joindre, Benjamin Boisvert et Charles Bergevin. Bienvenue avec nous. Hey, salut, boys. Yes, sir, boys. Donc, là, peu importe. Si vous voulez parler hockey, si vous voulez parler n'importe quoi, avec des questions, moi, je suis comme Pierre Wood. Ah, bonsoir, les sportifs. Non, ça c'est Ron. Ron qui a pris sa retraite, hein. Ron, là, il m'avait écrit un beau message. En tout cas, bref. À un moment donné, il m'avait écrit un message, un message vidéo pour moi parce que j'étais à l'hôpital. Puis les gars de 91.9 aussi m'avaient fait ça. Donc, shout out à vous autres si vous me regardez, boys 91.9. Hein, vous vous souvenez pas de moi, moi oui. OK. Ryan O'Reilly Base. Victor Hedman. Green. MVP des derniers playoffs. Lightning, Yann Caron. Ensuite, on continue avec une Sub-Zero Rookie encore. C'est la quatrième du paquet. Oh, c'est une grosse énorme. 18 sur 24. Wow! 18 sur 24. Donc, José Quentin. José Quentin, yes! À son premier break. Regardez ça en plus. La Sub-Zero Gold Rookie. Holy shit. Wow, quelle belle carte. Donc, ici... À date, c'est ça le plus gros hit de la soirée jusqu'à présent. Une petite nice. Sub-Zero Gold, 18-24, Brady Tkachuk en plus. Lui ou Kotkaniemi? Dominique Caron, il dit « Mes titans ont le COVID, t'en penses quoi, Fred? » Que... C'est...
Yes. C'est tout? Oh, attendez, j'avais... Non. C'est tantôt ça. Ben, que sûrement que c'est... Pour vrai, c'est vraiment compliqué de... Donc, c'est vraiment compliqué de... Donne-moi mon trépied. C'est vraiment compliqué, les équipes de la NFL qui ont le COVID, parce que contrairement aux autres sports comme le baseball, ils peuvent pas en jouer deux dans la même, dans la même journée, ou même voir... Ils chialent parce que des fois, ils jouent le jeudi, puis le dimanche. Puis là, ça va être compliqué au bout, je pense, que ce qui va arriver. C'est peut-être que la saison va peut-être... Tu ouvres l'autre ice? Ouvre l'autre ice. J'ouvre l'autre ice? Non, on aurait fait... Ice, ice, ok, donc j'aurais fait Ice Trilogy. Mais c'est bon, on va écouter Hugo. Vu que je fais rien. Vu qu'il fait rien, on va lui laisser ça, hein. Méchant hoot de merde. Je sais, j'ai une Elantra 2009. C'est vrai que c'est un hoot de merde. Et beau boy, hein, l'humour que j'ai ce soir, hein. Ouais. Donc, pourquoi celle-là? Ça va bien, non? Ah, je me suis coupé de là. Ah, ça va être un bon prank, je pense qu'à l'Halloween, c'est ça, je vais faire un spécial Halloween, je vais passer à me couper un doigt, puis je vais arroser avec du faux sang toutes les cartes qu'on va avoir reçues. Puis on va dire prank, mais les cartes vont être scrappées pareil. Ouais, mais c'est un prank. Ah, on va avoir deux fois les cartes. Ouais, c'est ça. Ça jase pas bien dans le break, à soir. Bonsoir! Jonathan Barrio, bonsoir! Hey, Joe Barrio. Donc, petit adou d'Audi. Normal, base. Boboski base. Ok, donc une rookie relic jumbo. Nice. De Oscar Lindholm des Flyers. Numéroté. Wow. 68 sur 199. Le défi, Dominique Caron. Dominique Caron, qui se retrouve avec une belle carte. Épaisse comme on les aime. Ici, on a une petite Brett Burns. Base. Mais sinon, je vais regarder elle encore un petit peu. Là. Philadelphie, là, ils ont des gros joueurs avec des grosses cartes, souvent. Carter Hart, là. C'est Dominique Caron qui a eu de la Carter Hart. Ouais, la Carter Hart, ouais. Philadelphie, ça fait deux fois qu'il pogne Philadelphie. Ouais, deux fois qu'il pogne Philadelphie, deux fois qu'il a des hits. Mais il demande c'est qui, ça. Puis il veut savoir qu'est-ce que tu penses d'aussi de son oncle qui mange des kiwis qui ne pleure. Ça, je pense que ça n'a pas rapport. Ben, je pense qu'il y a du monde qui mange des kiwis avec le pleure, puis c'est correct. Ils ont le droit d'exister. Okay. Daniel Larkin, Green. On dit ça, Hugo. Je t'avais senti du sleeve, mon homme. Yes, Sir Miller. On continue. Joe, il n'y a pas de stress. Tu viens quand tu veux, tu pars quand tu veux, pourvu que tu viennes nous faire un tour. On continue donc, base. Clayton Keller, Green. Donc, une carte qui sort régulièrement. Donc, pour le collectionneur, c'est le fun de l'avoir. Dans un sleeve. Premier, Igor Ouzigenov, 602 sur 1299 pour Toronto. Je pense que c'est le premier de Toronto ce soir. Ouais, Daniel Cazieux. Félicitations, Dan. Et on va avoir une Evgeny Malkin régulière et une Alex DeBrincat normale. On continue. Steve Therrien fait dire que Washington puis les Sharks ils ont été oubliés. Mais peut-être qu'ils te gardent pour la fin, Steve. Peut-être qu'ils te gardent pour la fin, quand c'est la Ingrid. Ouais, c'est peut-être ça. Peut-être pas non plus. On va commencer. C'était Oliver Ekman-Larsson qui est une régulière. Victor Hedman. Quand on avait une Green Ekman. Ici, on a une Green Evgeny. Evgeny Kuznetsov. Washington. J'ai toujours de la misère dans son nom, encore une fois, même si ça fait 4 fois que je le dis. Steve Therrien, Washington. Et on continue avec une Stan Steele, donc une 17 sur 2,49, une première des Ducks d'Anaheim. Premier hit pour les Ducks d'Anaheim, Sébastien Vachon. Félicitations. Donc première, Sam Steele. Et une régulière de Connor McDavid. On entame la deuxième partie du deuxième paquet, mesdames, messieurs, c'est parti! Donc, c'est dimanche, Hugo est allé au chalet, il vient d'arriver, il est passé la fin de semaine, je me suis couché à 4h du matin pour faire des breaks jeudi. Le champ malade. Et après ça, vendredi, je n'ai pas fait vendredi, mais j'en ai fait hier dans l'après-midi.
Vendredi soir, j'étais tellement fatigué. C'est sûr que j'allais pas faire de break le soir, c'était impossible. Donc, Mitch Marner, régulière. Tyler Seguin, Green. Tyler Seguin, Green. Pour les stars de Dallas, les stars sont à Dallas. Donc, petite Sub-Zero ici, Sidney Crosby. Sub-Zero, White. Nicolas. Donc, Sub-Zero, nice. Pittsburgh qui appartient à Nicolas Bédard, donc une petite Sub-Zero. Deux hits back-to-back pour Nicolas. Nice et belle. Yes, sir. Sébastien Hope et Leon Dreisaitl régulier. Chaque fois que tu pognes une Sydney, peu importe c'est quoi la carte, là, t'es un homme heureux. Ouais, comme corner. Matt Damon. Ouais. Ok, donc. John Gibson, régulière, un petit Brand Marchand Green, Boston. Jean-Michel Fréjot. Bien sûr. Et une première de Rook Chartier. 5-9, 3 sur 9-9-9. Saint-Nosé qui appartient à Steve Terrien. Donc Steve Saint-Nosé est là. C'est lui qui demandait si ouais, c'est lui. Vacances. Demandez, vous recevrez, M. Terrien. Ouais. Non, mais ça, c'est... Yes sir, super carte Steve. Ok. Donc Bon check, Yann vient de chialer le rare que le New Jersey se pointe pas le nez. C'est vrai, effectivement, il me semble que pour de vrai, là, New Jersey me semble que c'est souvent. tout le temps ça. Il y en a genre 28 par paquet. Ok, donc Jeff Skinner. Petite green, Patrick Lane. Gros joueur. Ouh! On t'aime un petit peu, on va pas dans les grands. Rookie Exquisite! Wow, les Ducks, gros hit pour Sébastien Vachon. Donc, Exquisite. Ouh! Sam Steele! Et attends, là, je vais la présenter mieux là, parce qu'il y a une petite Sub-Zero en dessous, là, mais regardez ça ici. Là. Donc, gros hit, Sam Steele. Wow! Numéroté 69, hi, sur 199. Wow! Mega hit! Rookie Exquisite! Gauche job! Wow! Sébastien Vachon! Ça va passer un petit trépied! Sub-Zero! 932 sur 999 pour Dominique Turgeon des Red Wings de Détroit, Francis Davidson. J'ai même pas de sleeve assez thick pour la mettre dedans, je pense. Voilà. Donc ça, c'est ce qui était pour les Ice. Donc on va aller maintenant pour les trilogies. Et je vais y aller en mélangeant comme ça et je vais pogner celle-là. OK. Donc pour... on va juste regarder deux secondes les petits hits qu'on a eu. Ouh là là. Donc les petits hits qu'on a eu là, pour les Ice. Ready that shit. 18-24, Gold, c'est Jordan Kyrou, signé Sub-Zero Blue. La relique, les deux reliques ici, Jumbo relique, on a numéroté les deux, Oscar Lindblom et Jordan Kyrou. Et la, une belle carte, là, une des, la Exquisite Rookie Collection, signé numéroté. Donc on y va. Donc ça, c'est ce qu'on avait. Est-ce qu'on enlève les hits et on en recommence à zéro? Qu'est-ce que t'en penses? Ou qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le monde y veut? Moi, je pense. Tu continuer à voir? Je pense qu'on va laisser ces deux-là. Ok, parfait. Jusqu'à temps qu'on en... Mais c'est sûr qu'on va des plus... Ils vont se tasser. Est-ce qu'on va avoir encore des plus gros hits dans les prochaines mois? Donc la trilogie, on l'ouvre. Donc dans la trilogie... C'est 4 cartes par paquet. Puis on a 6 paquets par boîte. Donc pour un grand total de 6 fois 4, 24 cartes. 24 cartes, let's go. Mais des fois, il y en a 3 par paquet. Puis ça, c'est parce qu'on a pogné un gros hit. Puis on a vu ça l'autre jour. Puis je me suis informé. Puis c'est normal que des fois, il y ait juste 3 cartes. J'ai capoté. J'étais comme tabarouette. Comment ça, il y a juste 3 cartes dans le paquet, gars? Capotais-tu autant que Dominique Caron qui vient de dire que c'est le premier bisou de OD live, les boys? On est en train de manquer ça. Le premier French, l'occupation double. C'est qui se French?
Aïe, aïe, je m'en... Ok, Yann, il dit de pas le spoiler. Oh, Max Jonf, il dit sa baisse à soir à OD. Tabarnak. Ok, c'est sûr, je l'écoute en arrivant. Est-ce que j'écoute pas ça? C'est correct. Ok, donc, juste vous dire que ceux-là, c'est les bases, donc soyez pas surpris si je les passe si vous connaissez pas vraiment les trilogies. Donc, Floride, Redemption, Brady Keeper. Donc, Floride, Maxime Marleau. Félicitations. Une autre rookie Redemption, mais celle-là, elle est numérotée. Donc, Toronto qui est à Daniel Cadieux, 2,57 sur 7,99. Et ensuite, une Marty Barzal de base. Donc, les paquets passent plus vite hein, quand il y en a juste 4 dedans. Mais les hits arrivent plus vite aussi. Effectivement, les hits arrivent plus vite aussi. C'est là-dedans qu'on avait trouvé la Ovechkin à Monsieur Caron. Ma mère m'a toujours dit qu'il faut arrêter de vivre dans le passé et regarder en avant. Ouais. Faut visualiser le prochain hit, les gars. Fait qu'on y pense, gars, je vais l'ouvrir de l'autre bord parce que là, les coins me stressent. Fait que je vais l'ouvrir par ici. Fait qu'on visualise les prochains hits, les gars. Oh! Donc on commence même pas avec une note. Non, ils ont enlevé les bases dans celle-là. Ils disaient non, fuck off. Fait que Rookie Redemption pour Trent Frederick. Et ensuite, on va avoir une petite. Un petit jersey. Rookie Premier, Max Jones, numéroté avec un petit jersey. 487 sur 499. Donc hier, ce que je disais, c'est que j'aimais vraiment beaucoup le design de ces cartes-là. Mon petit côté graphiste adore ça avec les bordures, le t-shirt, comment il est placé. J'adore ces cartes-là. Pour de vrai, je trouve que c'est mes cartes préférées. Rookie Premier. Donc Rookie Premier. Les gars sont silencieux. Pour moi, ça se french pas mal à OD. Ben oui. Mais non, j'ai rien contre ça pour de vrai. Je sais. Occupation double, si je commence à regarder ça, puis je le pogne, c'est sûr que je vais être incapable de pas l'écouter. Mais je veux pas. Je veux pas l'écouter. Je sais que c'est pas bon pour moi. Je sais que. Mais c'est correct. J'écoute la lutte. Ça va même en faire coder. Exactement. Fait que. Bon, on a commandé des cartes de lutte. On a commandé des cartes de lutte, donc j'ai hâte de voir ça. C'est sûr que je vais mettre des petits sons de Ric Flair qui écrit Woo, puis Kurt Angle, puis etc., etc. Donc, New Rookie Redemption, Oliver Malmstrom, Islanders. Islanders de New York, c'est Joe. Donc, une petite rookie première, Philippe Zadina. Donc, numéroté 604 sur 999, level 1. Détroit qui appartient à Francis Davidson. Hulk Hogan, effectivement. Et Taylor Hall, qui est une base. Mais oui, on n'a pas frappé notre gros hit encore. Non, il manque encore la signature, les boys. Signature. Nice. Il patine. Ok. Perfect. Là, je le sens. Y'a-tu de quoi là, tu penses? Un petit. Ryan! Il joue ça à Fortnite, lui? Ouais, il joue à Fortnite. Rookie! Redemption! Ryan Peeling! Pour vrai, je pense que je vais toujours trouver ça à chaque fois que j'ai une carte de lui. Je m'excuse pour tout le monde. Okay? Mais attends, on a quelque chose de popé. Petite Victor, Olofsson, level 1. Nice. Rookie Premier signé, numéroté 205-399. Nicolas Bédard pour les Sabres de Buffalo. Nice. Félicitations, belle carte. Numéro 68. Je me demande si c'est inspiré de Jaromír Jágr. Un des meilleurs joueurs de tous les temps, Jack Eichel, régulier. On continue ça avec une autre belle petite carte ici, un autre paquet qu'on ouvre. Il dit Ultimate Warrior. Ultimate Warrior, lui, il était intronisé au Hall of Fame de la lutte. Là. Puis le lendemain qu'il a été intronisé, il a fait son speech cut, il avait l'air en forme au bout. Puis genre, le lendemain ou deux jours après, il a fait une crise cardiaque et est mort. Oh. Mais il sortirait au top. C'est ça qu'on appelle sortir au top. Exactement. Donc une petite rookie, Redemption, Victor Lofsson, Buffalo, donc Nicolas Bédard. Yes.
New Jersey, Yann Caron qui l'a demandé tout à l'heure, c'est Brendan Gignac, rookie signature numéroté, 156 sur 399. Pas signature, redemption. Redemption. Rendition. Rendition. Ouais, on dirait que des fois je me mélange avec ces mots-là. Mais Brendan Gignac, c'est bon ça? C'est une très bonne carte. Sur 399, c'est bon. Brendan Gignac! Oh! Donc elle a un loafer à la fin, je sais pas si... Il y a un loafer à la fin? Ouais. Je sais pas si ça veut dire de quoi. Hein. Donc une okay. petite Nick Crosby régulière. Petite Matt Murray régulière. Ok. Une petite Rudolph Balser Sénateur. Y a-tu de quoi en dessous? Ouais, y a de quoi en dessous. Donc en dessous, on va avoir une petite Capo Caco. Level 1, gros! Level 1, 706 sur 999. Donc. Damien Maltec est à son premier break avec nous. Félicitations, Damien. Donc, une petite Capo Caco, rookie première. C'est pour ça, dans le fond, il l'avait mis à la fin. Pour pas qu'on puisse voir en ouvrant le paquet de cartes, la dernière carte. Donc, Capo Caco qui est voué à un excellent avenir avec les Rangers. Nice. Mais ça, c'est une trépied direct. Wow. Elle est belle, celle-là. Et on continue avec la dernière boîte de trilogie. Et après, on va arriver au mets principal. Donc, Damien Malte. Yes, first ici. Ben ouais, c'est ça qu'on disait, Damien. Merci de te joindre à nous. Vous pouvez tout inviter des chums, hein, si vous voulez, on peut remplir des breaks plus vite. Plus qu'ils se remplissent vite, plus qu'on va en faire. Non, c'est ça, éventuellement, on va commencer. Il va y avoir des breaks à tous les dimanches et les jeudis. Puis après ça, on va ouvrir des breaks. Dès qu'ils se remplissent, on va les faire. Mais il va toujours avoir des breaks plein, pas plein, le dimanche ou le jeudi. Donc, on y va avec les derniers boîtes de trilogie. Mais c'est là-dedans qu'ils sont les gros hits. Là. C'est là-dedans qu'ils sont les gros, gros, gros hits. Ma mère me l'a dit. Ouais. Ok, donc on commence avec une Darren Markin régulière, rookie redemption, Nico Storm. Yes. Le Wild de Minnesota qui est à. Ensuite, Elvis, le goaler d'avenir de Columbus, Elvis Merzlikin, Chris Rochon, ton premier hit à soir, je pense. Donc, regardez, puis moi j'arrête pas tout le temps de dire que quand t'as des chiffres spéciaux, là, tu peux peut-être avoir plus d'argent. 5-5-5? 5-5-5. 5-5-5. C'est-tu sa moyenne d'efficacité, ça? Non. Non, pour vrai, il va vraiment être un bon gardien, pour vrai. Déjà, il fait des miracles, puis... Il a pris des grosses chaussures là, avec le départ de Borowski de Columbus. Elvis est bien bon. Ouais, c'est vrai, Yann, que les signatures sur Sticker, je trouve ça plate moi aussi. Donc, David Normand, Capo Caco. Encore? Rookie Redemption. Nice. Il y en a juste une. Rookie Redemption, Noah Adamson. Numéroté 328 sur 399. Back-to-back redemption? Yes. OK. Ça arrive souvent. C'est New York, New York, New York qui est sorti. OK, Jordan Quick. C'est que Joey, la dernière des Islanders, ça va chez vous sur 399. Yes, c'est vrai, Nicolas. Un esti de bon rouleur. Mais pour répondre à Jonathan Barrio, nous... Si c'est pas plein pour le dimanche puis jeudi, au pire, ça va être des spots. Ça va être des spots savage, là. C'est tout, là. C'est juste qu'on veut promettre ça à du monde qui veulent. La place d'écouter Occupation Double et nous écoute. C'est ça. Qu'il soit plein ou pas, nous autres, on en fait dimanche puis jeudi, c'est sûr. Ensuite, on a une rookie redemption de Elvis Merzlikin encore. Ok, c'est tout. Donc, c'est-tu la même carte? C'est-tu celle qu'on avait? Attends, je vais te sortir ça. Étais-tu numéroté, là? Ouais, elle était numérotée. Ouais, c'est ça. Oh. Okay. La première qu'on a eue était numérotée, elle n'est pas numérotée. Mais tu te retrouves quand même, le gars Columbus se retrouve quand même avec Rochon, se retrouve avec deux. Okay. Oh, donc là, un Rookie Redemption shirt de nice. Caden Faulker. Donc des trois. Francis Davidson, encore. Je dis souvent son nom, Francis. Beau hit, ça. Pas numéroté par contre, non.
C'est fou comment il y a des variantes dans les cartes. Hein? Numéroté, signé, jersey. Puis là, des fois, ils en mettent un sur. Je veux juste la montrer pareil. Là. Il y a un petit. Où ça? Il y a un petit coin blanc ici sur ta carte. Là. Ça ici, là? Ouais. Ok. C'est bon. J'aime mieux qu'ils le voient bien sur la vidéo que quand ils le reçoivent. Puis... On aime la transparence chez Savage Cards and Breaks, Breaks and Cards. C'est fou, hein, comment ouais. Je me trompe tout le temps. Mais c'est parfait, ça, c'est, ça fait comme une, la chanson. Alors, c'est, le monde va s'en souvenir. Oh! Ok, j'ai pris deux cartes sans faire exprès, fait que j'ai peut-être un petit peu. Spoilé? Ouais. Donc. Rookie Redemption, Ryan Kaufner, mais on va passer à la pièce de viande. Donc une Kirby Dach, signé, numéroté de World Rookie Premier, Chicago, Joey Fangini, c'est son premier break avec ouais, nous. Ouais, premier break, Joey, félicitations. Donc, premier break avec nous, et une petite Kirby Back signé, 353 sur 399, Kirby Dach. Nice. Belle carte, beau petit hit ça. Ensuite, Nico Hischier. Et on continue. Je sais pas si Joey est encore là, mais est-ce qu'il allait l'écouter? Il va être content, mais qu'il le sache. Il y a 15 personnes qui écoutent. Hein? 17. 17? 17 personnes. Le téléphone 31, mais... Mm. On a des gars qui aiment ça les écouter, bien tranquille après ça. Moi, ça, je fais la même chose avec la lutte. J'enregistre la lutte, puis après ça, je l'écoute. À ta vitesse. Puis je passe bien les affaires. Drouin, Villiers. Rookie Redemption, Max Verano. En dessous, on va avoir une petite carte. Là, je vais... Donc, une petite Oliver, Max Malmström, Level 1 Rookie Premier. Pour Islanders encore, Joey Franchellini. Félicitations, Joey. 4-1 sur 999. Ah, il est là. Il est là. Pose sur le dash. Eh oui, on sort des gros hits pour lui. Là. Dernier paquet de la trilogie. Et là, après ça, on entend... T'aimes pas ça en direct, Joe? Si tu veux l'écouter en replay, tu peux nous écouter. Va sur YouTube. Ah, moi je pense qu'il aime le direct. Ok. Moi, j'aime pas ça. Le direct. Bon, Yann Caron qui nous prouve qu'il est bon en mathématiques. Ouais. Yann est capable de faire 31 divisé par 2 qui donne 16. Félicitations. Ouais, c'est vrai. 16,5. Ok, donc, Max. Mark Scheffler, Rookie Redemption, Adam Fox, Rangers New York. Damien. Et là, peut-être qu'il y a quelque chose là-dessus. On a un petit quelque chose. On a une petite Rookie Redemption, Rudolph Balser ou Balker. 219, 399. Et une Ovechkin, Washington régulière. Pour finir le pack. Et on entend la pièce de résistance. Et je vais tasser ça ici. Puis je vais mettre ça là. Mettre ça ici. Et je vais vous la montrer. Une petite Ingrain 2018-2019. Comme ils disent à la lutte, là. Le présentateur, là. Ou ouais. C'est la boxe, là. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il dit déjà? Hein? J'en ai aucune. Are you ready? Hey, ça, c'est à la boxe ou le UFC. To Rumble! C'est Let's get ready to Rumble! C'est exactement ça, Hugo. Merci de m'encourager dans mes niaiseries. Matt Damon. Ok. Beau petit paquet. Juste la grosseur de. Y'a-tu tight le paquet? Quand même. Y'est tight? Ok, oui. Parfait. Où ça? Non, sais. Mais moi j'aime ça parce que. Tu l'as déjà ouvert, hein? Ou pas? Non, jamais. Ça a la grosseur, honnêtement. Parfait d'un sandwich de crème glacée, bien rempli. Bien rempli. J'adore ça. Juteux de plein de hits. Là. Mais là, le problème, là, c'est que... Tu l'as ouvert à l'envers. Ouais. Parce que je veux pas rien spoiler, vous comprenez? Là, il s'ouvre vraiment tout croche.
Mais c'est correct, c'est 2 en 2 dans les tout croches. Le prochain va être bon. L'autre était tout croche aussi? Ouais. Ah ouais, là on le sent. Pour moi, ma blonde écoute. Ok, il y a une carte en bois déjà dans ce livre. Ok, on... crème glacée, juteuse, on a bien décrit la situation. Ok. Ok. Ah, je suis nerveux. Ok. Ah, je suis ok. Ça, dans ce livre, ça peut être une Wayne. On va. Une Green. On va une Green Wayne. Non, attends. Non, mais il faut dire pas ça, c'est pas ça, là. Non, c'est peut-être pas ça. Mais ça se peut, est dans la liste. Ok. Donc, première carte. Green Green. Wayne Gretzky, je l'avais pas vu, man. Je l'avais pas vu, je te le jure, ça a fait à ma mère, man. Je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Mais elle est pas signée. Elle est pas signée. C'est quand même une Wayne quand c'est moins une Wayne. Oui, c'est une Wayne. Hein. Une Wayne numérotée dans Ingram. 153. Wow. 9-9. Les Kings, c'est à qui ça, les Kings? J'ai où les Kings, hein? C'est là, Los Angeles. C'est Maxime Marleau. Maxime Marleau. Kyo. Ric Flair! Good job. Ok, on met ça dans une sleeve. Ben tight. Ah, ok. Ok, mais c'est quoi la prochaine carte de bord? Vas-y donc, go, c'est quoi la prochaine carte? Je sais pas, mais on dirait peut-être t'es bien. Tu serais mieux de faire elle en dessous. Fais donc elle en dessous. Fais juste la checker, voir si c'est une de base. Non, elle en dessous complètement, là. Non, en dessous complètement. Ouais, c'est une de. Ah non, c'est une bonne celle-là. Ok, fais la deuxième de bord. Mais je peux pas coller. Je peux pas coller, je sais pas. Regarde, je veux pas pousser ma lock. Donc, petite rookie and green. Andreas Johnson, rookie numéroté. Donc, 2.31 sur 2.99. Toronto, Daniel Cadieux. Félicitations. Good job. Hey, ça va peut-être être une Wayne Gretzky, là. Plus. Peut-être. Ok, je mets ça dans cette sleeve aussi. Mais attends, la Wayne, on va la mettre ici, là. Mais oui. Oh, ça va. Non, mais on les voit pas dans l'écran, là. Ça, on voit mieux, là. Wayne! Wayne's World! Wayne's World! Prochaine carte, donc. Oh. Oh. Petite rookie signature shot. Pour Détroit. Yeah. Michael Rasmussen. 131 sur 149. C'est épouvantable comment ces cartes-là sont épaisses. Regardez ça. Francis Davidson. Donc là, on voit la carte. Elle est belle. Elles sont tellement gigantesques, les cartes-là. Y a-t-il une print en arrière? Y a-t-il comme une petite, ouais, une petite ligne? Hein? Y a des petites lignes en arrière sur ta carte. Ici aussi, on le voit. Là. Ouais. Mais ça reste un méchant beau hit en avant, ce genre. Mais comment ça peut faire ça? L'imprimante. Arc. La signature est clean. Donc, morceau d'équipement. Je vais mettre ça dans un sleeve Express Post. Ensuite, une petite Ethan Bear Rookie signé numéroté patch avec un petit patch. Patch! Numéroté 3 sur 65, Edmonton, ooh. Maxime Marleau. Maxime Marleau encore, c'est lui qui a eu la Wayne. C'est lui qui a eu la Wayne? Il a eu la Wayne, puis il se retrouve avec une signée, ooh, patchée, numérotée, Steve, rookie, Ethan Bear. C'est l'équipe à Steve, ça. Wow. Ok, t'as-tu eu la patch là-dessus? Ouh. Donc là, en ce moment, là... Mets la carte du dessous. Fais la carte du dessous. Ouais, parce que là, en ce moment, on va faire la carte du dessous. Qui était une Jack Eichel. Synthesis. Ingrain. Donc, Buffalo. Nicolas Bédard. Félicitations. Mais là, en dessous, là, elle est déjà dans une sleeve, la carte. On va sauver, une sleeve, merci. On va sauver une sleeve, puis on se demande, je me demande c'est quoi. Ok, on y va. J'espère qu'on n'est pas trop en train de le hyper, puis finalement, ça sera rien. Ok, je la montre tout de suite, d'abord. Ok, on se la... C'est qui? Martin Brodeur! Calder Trophy, Honorary, Engraving,
Ingram Calder Trophy, Martin Brodeur, Devils, New Jersey. Chris Rochon qui se retrouve avec une carte incroyable. Wow. Donc, good job. Es-tu numéroté? Elle n'est pas numérotée. Mais c'est rare. Ça reste rare. Numéroté! Numéroté! 15 sur ça! 15 sur 100! Oh, hit! Savage! Savage hit! Savage hit! Mais oui! Mais oui! Gros hit! Wow! On a dû un gros, on a pas, on a dû un case assez gros pour ça. C'est non, non, mais demain je vais aller m'acheter, là, demain je vais aller m'acheter des cases. Oh my god! Wow! Good job! Wow, on a eu même des cœurs dans le feed, là. On a eu plein de cœurs. Wow! Ah, oh, mais ça, c'était un Ingrain payant, là. Ah, ouais, c'était quel gros Ingrain. Ouais. Gros. Wayne. Martin, ensemble. Ensuite, on a une rookie. La patch est débile là-dessus, là. Rookie patché, numéroté. On a une signature shot. Ah, oh, ouais, c'était une grosse boîte, là. Incroyable. Et on avait la. Que je suis en train de mettre dans une Jeep. Jack Eichel, celle-là ici. Mais je vais vous remettre la Martin Brodeur, puis je vais vous remettre aussi. Ça, c'était une hot box, c'est sûr, là. Ben oui. On peut faire du perso, Steve. On peut faire du perso, Steve. Moi, je suis dedans, là. J'étais en feu, là. J'étais on fire. Je me suis pas couché à 7h à matin, là, pour faire des bricks, là. Donc, good job. Wow. Good job. On va faire la deuxième chance demain. On va faire la deuxième chance demain. On va faire le ménage là-dedans. Vu qu'il n'y avait pas beaucoup de boîtes. Donc, on remercie Jonathan Barrio d'être rabat-joie de notre hype, de trouver que la carte est belle. Et ils sont souvent des 15 sur 100. Ils sont chanceux. Ah, mais ça, c'est une question de moyenne, Joe. Plus tu ouvres de boîtes, plus tu vas en avoir. Nous autres, ça fait une semaine qu'on existe. Mais on parle pas des autres, on parle de nous. Ma mère a toujours dit, regarde pas ce que les autres font. Fais de ton mieux. C'était bon, ça, hein? Matt Damon. Matt Damon. Donc, dans le. On a eu des signatures, des numérotés. C'était un beau break, ça, pour vrai. Ouais, le rookie exquisite était belle. Yes. Sub-Zero, rookie, Ottawa, là. Ready to check, gold. Numéroté 18 sur 24, là. 18 sur 24. Elle est rare, là. 24 cartes seulement, comme ça. La Sub-Zero, c'est une belle carte, là. Donc, yes. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé. Puis, il y avait Steve qui vous parlait de faire un break perso, donc vous pouvez jaser de ça, à continuer à discuter, puis nous écrire en privé, puis moi, je suis disponible en ce moment pour faire des petits breaks là, pour vous autres. Donc, la Martin Brodeur, Calder Trophy, 93-94. Regardez quand il y avait l'air jeune. Ah oui. Hi. My name is Martin Brodeur. Bon ben, on se voit bientôt les gars. Good job. Ciao.